Je crois que la phrase d'origine « We build too many walls and not enough bridges hein, », on construit trop de murs et pas assez de ponts, ça parle aujourd'hui, ça me parle vraiment. C'était le 26 juin 1917, les Américains qui débarquaient pour soutenir les forces alliées. Et mettre così fine nel giro di un anno a quel massacro che fu chiamato semplicemente la Grande Guerra. Le Queen Mary est arrivé à Saint-Nazaire cet après-midi. Le paquebot de 345 mètres de long. Le paquebot reprend le large demain soir pour une grande course. Sailing vessels. The race is on between the Queen Mary II and three Trimarans. La ferveur et la joie à Saint-Nazaire. Le Queen Mary II est rentré à la maison. Le Queen Mary II a accosté à Saint-Nazaire dans ce bassin. L'opération s'est jouée à moins de 3 mètres de chaque côté du navire. Vous imaginez l'émotion hier lorsqu'il est arrivé ici à Saint-Nazaire. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues pour l'accueillir. Au matin, les premiers navires américains arrivent sur la rade de Saint-Nazaire. Thank you.
Queen Mary es uno de los cruceros más grandes del mundo, y al menos en esta prueba simbólica. The Mariners are sailboats more than 80 feet long, Atlantic twin and ocean liner, and three sailing vessels. The Queen Mary in a race from the French port of Saint-Nazaire. Marane der Welt liefern sich ein Rennen von Frankreich nach New York. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce dimanche 25 juin. Le Queen Mary contre les maxi trimarans. Les bateaux sont partis il y a tout juste une heure. C'est parti pour une course insolite entre Saint-Nazaire et New York. Trimarans in France today. The race marks the 100th. On n'a pas été très bon là, juste après le départ. Et nous voici, première de 24 heures de course. Des beaux, est-ce que vous nous recevez? Ouais, je vous reçois, fond éclair. Ouais, salut Jean-Luc, tu vas confirmer comme ça, ça ira mieux. Il y avait un parcours avec des zones interdites. C'est impossible. Je ne parle pas un mot de français. Bonjour. Voilà le bateau. Clac, clac, clac. Et voilà. Parce que t'en penses Marie, mais c'est vrai que c'est un peu irréaliste l'arrivée. Enfin, moi c'est la première fois que je viens à New York, alors arriver par là c'était un peu le must. Soldados estadounidenses en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Même image qui nous transporte outre-Atlantique, le Queen Mary 2. Le Queen Mary 2. To head to New York, where the Queen Mary 2 arrived this weekend. Parti du port de Saint-Nazaire, il participait à une course inédite avec 4 multicoques. Sole dell'alba del primo giorno di luglio, accolto dalle note di Amazing Grace. Que ce matin, les masquis trimarans qui tentaient de rivaliser ne sont pas attendus avant 2 à 3 jours.
François Gabart a remporté The Bridge en 8 jours et 31 minutes. C'est imposé dans la transatlantique The Bridge, phase de l'arrivée de François Gabart à New York. Les 4 bateaux français les plus performants du moment. Maxi Trimaran entre Saint-Nazaire et New York. Gabart a remporté hier le choc des titans. The Bridge, cette transat inédite entre les plus grands trimarans de la planète. Il y avait aussi le paquebot Queen Mary 2. D'habitude, dans les arrivées de course, tu vois tout, et puis c'est là, putain, mais c'est quelle bouée, la ligne d'arrivée, mais leur flashlight, il est où? Et là, en fait, le premier truc que tu vois, c'est les deux piles du pont, bon, bah, l'arrivée, c'est là.